Alors, ma question, c'est est-ce que je fais avec ou sans le kawé? Avec le kawé. Avec la tête dessous? Sûrement. Parce qu'en fait, je voulais juste lander comme ça. Ouais. C'est là, mieux, non? Ouais, ouais. C'est là, mieux qu'on me voie. Vas-y. Allez, c'est parti. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le lien. L'eau, c'est le partage. Cette année, j'ai participé à la conférence TEDx Nouméa. Et mon sujet, c'était l'histoire de l'eau, l'histoire d'une goutte d'eau qui rencontre diverses difficultés quand elle est en train de parcourir la Nouvelle-Calédonie. Pour réussir ma conférence, pour la préparer, pour préparer cette belle histoire de goutte d'eau, j'ai utilisé plusieurs livres. Donc le premier livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup apporté pour préparer ma conférence, c'était le livre de Pascale Joanneau, qui a été directrice de l'aquarium de Nouméa. Et en fait, ce livre s'appelle « Méloé » ou « Les aventures d'une goutte d'eau ». Raconte du coup l'aventure d'une goutte d'eau, mais qui va jusqu'à la mer et qui rencontre aussi les habitants de la mer. Donc je me suis inspirée dans ce livre de la façon dont la goutte, avec les gens qu'elle rencontre ou avec les obstacles qu'elle rencontre, elle essaie de surmonter les difficultés. Et vraiment très intéressant parce qu'on personnifie la petite goutte d'eau et on se prend au jeu de suivre cette petite goutte qui rencontre des poissons, des arbres, des crabes, qui se fait emporter dans des courants, qui parle à des tortues et qui du coup apprend énormément de choses, à la fois sur l'environnement mais aussi sur elle-même, à quoi elle sert et comment elle peut aider les autres. Ce qu'on voit aujourd'hui avec l'eau qui tombe, c'est que l'eau est indispensable pour les forêts. Il y a des relations entre l'eau, la forêt et le reste de l'environnement. C'est vraiment ça le plus important. Si on veut prendre soin de l'eau, il faut aussi qu'on prenne soin de nos forêts. Le deuxième livre que j'ai utilisé, c'est « La politique de l'eau partagée » qui est disponible sur eau.nc. Ce livre, c'est une politique publique, mais en fait, ce qu'il y a dedans, c'est le diagnostic de la vie des gouttes, les problèmes que l'eau rencontre en Nouvelle-Calédonie en 2021. Et enfin, le dernier livre qui m'a inspiré pour ma conférence TEDx de cette année, c'est un livre de Caroline Hidou qui s'appelle « L'état de l'eau en France » ou « Les conséquences d'une exploitation irraisonnée » qui l'a du coup montré vraiment les dommages qui seront causés par l'être humain sur une surexploitation de la ressource en eau. Le livre de Pascale Joanneau et le livre de Caroline Hidou, ce qui est vraiment super avec ces deux livres-là, en plus du fait qu'ils parlent d'eau, c'est qu'ils sont vraiment accessibles à tous. On va le refaire deux secondes parce que je ne voyais pas entièrement tes cheveux. Ah, mes cheveux, c'est le plus important. Jean-Victor, tu fais quoi ?